sujet d'actualité, le président de la transition donne sa version. Le président de la transition, Indra Duel, n'a se dit convaincu que les élections auront bel et bien lieu en 2013. D'après ses déclarations à la presse, aujourd'hui, depuis sa résidence à Madbé, le processus avance à grands pas grâce aux actions de la CENIT et du gouvernement en place. Et dans cette même perspective, il appelle à unir les forces pour parvenir à ses objectifs que sont les élections. Interrogé sur son récent entretien avec l'ex-président mozambicain Joaquim Chissano à Maurice, le dialogue a été axé sur le règlement de la crise malgache, a confié le numéro 1 de la transition. Les deux hommes se sont rencontrés par hasard dans le cadre d'un séjour non officiel, a-t-on précisé. Quant à la proposition de la mouvance Ravalomanana de négocier une nouvelle entente concernant la crise malgache, le président Indra Duel estime que la solution à cette crise doit venir du peuple malgache dans la mesure où il ne s'agit pas d'une divergence bilatérale. Toutefois, le président de la transition se dit ouvert à toute discussion si c'est en dehors de la feuille de route. Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu aujourd'hui entre le président Indra Duel et ses partisans au palais d'État Diavlou. Il s'agit selon lui de coordonner des actions et des stratégies communes en vue des prochaines étapes à suivre. Au sujet d'un éventuel remaniement gouvernemental, le président Indra Duel n'a précisé que toute mouvance ou groupement politique a le droit de changer de représentant au sein de l'exécutif à condition de respecter les critères liés notamment à l'égalité des genres. Enfin, en ce qui concerne les équipements promis aux forces de l'ordre par le président de la transition, les responsables militaires étudient actuellement les offres qui ont été proposées dans le cadre de ces dotations, a-t-on précisé.